Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour de Bourse aux Jouets. Excellent retour de Bourse aux Jouets. J'ai fait énormément de kilomètres aujourd'hui. Je suis sorti un petit peu de ma zone, justement, pour pouvoir avoir un contenu, comment dire, plutôt intéressant. Et vous allez voir que on a trouvé vraiment pas mal de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Voilà, c'est vraiment super important pour le référencement, pour moi, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie. Allez, c'est parti. On commence tout de suite ce petit retour de Bourse aux Jouets. Exceptionnel. Alors, on va commencer par le premier truc que j'ai acheté. On va faire dans l'ordre d'achat. On a déjà trouvé un petit Pokémon X. Voilà, avec un petit Yveltal dessus. En très bon état. Il est complet normalement. Voilà, complet, nickel. Donc celui-là qui sera mis à la vente. Donc super. Voilà, je suis vraiment super content. Je l'ai eu à 12 euros. Donc 12 euros, c'est un prix correct. Bon, c'est pas un jeu hyper ancien. Mais bon, ça peut se revendre aux alentours des 20-25 assez facilement, dirons-nous. Ensuite, j'ai trouvé un jeu Wii à 1,50 €. Vraiment, vraiment plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment très correct. Donc du coup, je l'ai pris. Donc il y avait une vingtaine de jeux. Mais il n'y avait que celui-ci qui était intéressant. Alors, je vais les pousser de la table parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Vraiment énormément de choses à vous montrer. Ensuite, on a pris. Donc, ça fait partie du lot. Alors, oui, donc celui-là, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On l'avait déjà acheté justement pour le Noël. Du coup, vu qu'il faisait partie du lot, en fait, ces figurines-là, on a payé ça 10 euros avec le jeu, la plateforme. Il y a une trentaine de figurines à vue de nez. Donc ça, c'est des figurines qu'on a déjà. Donc hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vite fait. Donc ça, c'est que des doubles qu'on a déjà. Donc pas très intéressant de vous les remontrer. Mais par contre, dans la petite pochette, c'est pour ça qu'on a pris le lot à 10 euros. On a une dizaine de figurines à vue de nez, je dirais, qu'on n'a pas. Donc on a ce petit poisson. Celui-ci, on ne l'avait pas. Donc super. Donc voilà, ça fait moins de 1 euro la figurine avec le jeu, la plateforme, tout ça. Donc du coup, on s'est dit, on va prendre les figurines qu'on a déjà en double. Et puis vu qu'on va faire une bourse aux jouets la semaine prochaine, on les mettra en vente et puis on va essayer de s'en tirer avec un petit bénéfice. Donc là, on a celui-là. Et normalement, il y a son copain. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est les mêmes. Eh ben non, il y en a un qui est marron et l'autre qui est tout jaune. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de conception ou s'ils sont différents. Donc voilà. Nous, ils sont différents. Donc du coup, on les garde. Ensuite, on a celui-là. Moi, il me semblait l'avoir déjà, celui-là. Mais en fait, non. Il est différent. Ensuite, on a celui-là qui est tout blanc. Et on a son copain. Alors si j'arrive à le trouver. Ah non, son copain il était dans ceux qu'on avait déjà. Donc voilà. Donc en tout blanc comme ça. Bon, c'est original. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas du tout si c'est normal, si c'est rare, pas rare. Après on a celui-là avec le petit oiseau. Et le gros oiseau. Le gros oiseau. Après, on a un petit soldat avec son épée qui est prêt à attaquer qui que ce soit qui s'avance vers lui. Alors, dans le lot des figurines, il y en avait quelques-unes qui étaient cassées. Heureusement, par exemple, je prends celle-là. Heureusement, j'ai réussi à recoller le bras. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça dérange pas l'utilisation vu que tout se passe sur la plateforme. Là, pareil, vous voyez le petit chien. De lave, il manque la queue. Donc c'est dommage, mais bon, on essaiera de la retrouver en meilleur état. Et après, on a cette petite mécanicienne, voilà, avec sa grosse clé.
Donc voilà, petit lot vraiment sympathique. Voilà, 10 euros pour... attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 figurines qu'on n'avait pas. Donc ça fait moins de 1 euro la figurine. Plus bah, tout ce qu'on va pouvoir revendre par la suite. Nickel. Nickel, ça nous fait bah, des choses à mettre sur notre stand la semaine prochaine du coup. Donc la semaine prochaine, on sera à Buxerolles. Donc si y en a qui sont du coin, voilà, donc c'est juste à côté de Poitiers. Alors je sais qu'on va le virer, parce qu'il prend de la place. Donc s'il y en a qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je suis ouvert. Alors j'aurai aussi beaucoup de cartes Pokémon lors de cette petite bourse aux jouets. Donc n'hésitez pas à venir avec vos cartes si vous voulez faire des échanges, tout ça, on arrivera à trouver un arrangement. Alors, les cartes Pokémon. J'ai une petite anecdote. Voilà, première bourse aux jouets, en tout on en a fait trois aujourd'hui. Donc la première, j'arrive sur un stand. Bon, bien sûr, bah, je me suis fait doubler. Parce que j'ai acheté, bah, j'étais en train de négocier les jeux à l'entrée de la bourse aux jouets du coup. Et du coup, bah, il y a 9 petites shiny, je pourrais pas vous dire les séries, qui sont parties à 20 euros. Voilà, 20 euros les 9. C'est une affaire de malade. Donc bah, j'étais un peu deg. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je me suis rattrapé sur autre chose. Vous allez voir que bah, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Donc on a des petits starters, Gobou, là on a un petit Pikachu qu'on n'avait pas, après on a des petites platines qu'on n'avait pas. Donc je pense que la série, je vais finir par la faire, hein, parce que je commence à en avoir des tonnes et des tonnes de platines. Donc on a un Togetis, un Rattata, Noctuynoir, mais normalement c'est que de l'état qui est à peu près correct. Après on a du Emerald, il me semble que c'est ça, ouais c'est ça, Emerald, on a un petit Pichu. Encore du platine. Là, tiens, on a un petit Machoper holographique. C'est vraiment super sympa, les petites énergies comme ça dans l'holographique. Voilà, un petit Machoper. Alors, on va le mettre là. Après, on a un Metang Reverse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Voilà, à briller. Il me semble que c'était une carte à 10 centimes. Voilà, les cartes là étaient vraiment pas chères. Après, on a un E9 Espèce Delta. Ouais, c'est la première fois que je le vois. Plutôt content. Un golet de prisme. Voilà, pareil. C'est une carte que j'avais déjà vue, il me semble. Donc voilà, je l'ai prise. Bon, après, il me semble que c'était quasiment 10 centimes à chaque fois la carte. Ouais, c'est les cartes qui sont plus loin, qui étaient un peu plus chères. Après, Alligator. Voilà, je sais plus si je l'avais, il me semble que si, mais bah, c'est pas grave, à 10 centimes, hein, j'ai pris. Après, on a un petit Régigigas holographique, pareil, 10 centimes. La Topicœur, pareil, 10 centimes. Un petit Topicœur à 10 centimes. Le petit Elekid, espèce Delta à 10 centimes. Le petit Galifeu, bah lui, je l'avais pas, c'est sûr, parce que j'ai vérifié sur mon petit. Comment on appelle ça? Alors, ça s'appelle Cheat, l'application. Voilà, vous allez voir en description, c'est un petit Google Doc. Voilà, donc si vous avez des starters qui me manquent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Voilà, on arrivera à trouver un petit arrangement. Il m'en manque encore énormément. Donc la liste sera mise à jour à la sortie de la vidéo, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors petit Galifeu. Après on a un petit Gardevoir, voilà, je le trouvais mignon en reverse. C'est plutôt sympathique comme carte. Après, j'ai trouvé un petit Lagron à 1 €. Donc, à partir du Gardevoir, il me semble que c'est 1 € la carte. Donc, voilà, petit Lagron holographique. Alors, il y a un de vous qui me l'a envoyé, voilà, qui m'avait contacté sur Instagram, qui avait fait un lot de starters que j'avais pas. Donc, il m'avait déjà envoyé ce Lagron, mais quand je l'ai vu, et puis en plus, il était à 1 €. Puis, vous allez voir, l'état est plutôt pas mal. Donc, bah, celui qui m'a envoyé est en meilleur état. Mais du coup, bah, je l'ai pris, et puis je le revendrai, et puis, enfin, voilà, quoi. Vous connaissez un petit peu la suite, quoi. Après, un petit Lazarus holographique, pareil, j'avais pas. Et là, on a un petit Mastouf à 5
Je pense que je vais toutes les prendre avec les dresseurs comme ça. À chaque fois que j'en verrai, bah, je les prendrai. Voilà, je vais essayer de pas prendre au-dessus de 5 euros. Ouais, c'est vraiment une très belle carte. Et ensuite, on a le gros lot de la journée. Voilà, on a fait vraiment. Alors, j'enlève ça de la caméra comme ça. Vous voyez pas, vous vous spoilez pas. Je les mets dans l'ordre qui, je pense, me semble le mieux. J'hésite entre deux. Allez, on va faire ça comme ça. Hop. Celui-ci, ici. Et très bien. Alors, celui avec le top. Bon, je pense, il y en a qui l'ont peut-être reconnu. Voilà, vous allez voir, il est sous pochette, il n'est pas sous sleeve. Alors, on commence déjà avec un Rafflesia de Jungle. Donc, une rare de Jungle. Celle-là, je l'ai payée 3 euros. 3 euros et encore, parce que j'ai négocié le prix. Sur le lot, je vous dirai à peu près quel lot, voilà, et à quel prix je l'ai eu. C'est pas un problème. Donc, petit Rafflesia, prix de base, 3 euros. Après, ah bon, bah vous êtes spoil, Ligue Magma, prix de base 3 euros, donc édition 1, bon, c'est plutôt pas mal. Le petit crocodile, voilà, vraiment, vraiment magnifique cette carte. Bon, elle est un petit peu abîmée, je pense que je la nettoierai un petit peu parce que bah, vous voyez, c'est un peu noirci, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc je la nettoierai un petit peu, histoire de la restaurer un petit peu. Donc 3 euros le crocodile. Après, on a un Latios espèce Delta. En reverse, il me semble, non, holographique. Donc voilà, plutôt cool. Plutôt cool. Petit Latios holographique, espèce Zelda. Ça se prend. Je sais plus combien je l'ai payé celle-là. Mais elle va avec celle-là. Et le petit Fenard. Donc il me semble que c'était 3 euros aussi. Je sais plus. Alors, prix de base du Fenard, 20 euros. Donc prix annoncé par le vendeur, 20 euros. Et puis après, il m'avait fait, il me semble, 3 euros chaque carte, donc ça me faisait à peu près 29. 20, ouais, 29. J'ai réussi à négocier à 21 euros. J'ai forcé. Hein. Ah, je vous dis, j'ai ramé un petit peu. Hein. Le garçon qui vendait, donc c'était un petit garçon d'à peu près 12-13 ans, il voulait pas lâcher le morceau. Hein. Mais bon, j'ai réussi à négocier ça. Donc, petit fenard holographique de trouver. Vous allez voir l'état, il est quand même assez dingue. Il est quand même assez dingue l'état. Il est plutôt bon. Bon, il est un petit peu abîmé hein, quand même, voilà. Mais bon, c'est pour du classeur, ça ira très bien. Bon, du coup, moi, il sera à la revente. Enfin, vous connaissez ces cartes-là, c'est pour essayer de faire un petit peu de bénéf. Donc, 21 euros ce lot-là. Donc, vraiment cool. C'est vraiment top. Ensuite, bah, le crocodile, 3 euros. Il était en lot avec cette carte. Donc là, un petit Amphinobi Star. Donc en fait, le petit Amphinobi Star, en fait, je suis passé deux fois voir ce vendeur. Donc c'est pareil, c'était le jeune homme de 13 ans. Donc je suis passé au matin, enfin au matin, vers 10h30. Donc il m'a vendu ça pour 21 euros. Et je suis repassé à l'après-midi parce qu'en fait bah, j'avais plus de cash sur moi et il fallait que j'achète le lot de Skylander. Donc du coup bah, j'ai été retiré 40. Et bah, je vais le voir. Et en fait il vient de terminer un échange avec quelqu'un qui lui échange un Pikachu anniversaire et le Amphinobi. Et je pense qu'il ne connaissait pas du tout la valeur de ce petit Amphinobi Star. Du coup bah, qu'il me l'a proposé à 10 euros. Donc voilà, vraiment, vraiment très content. Donc encore sous pochette, tout ça, il est nickel. Et le petit crocodile. Et puis après, il y avait 4 cartes à 1 euro. Donc en tout, ça faisait 16 euros. Si je compte bien, 13. 13 et 4. Non, 17 du coup. Et du coup, bah, il me l'a fait à 15. Donc plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé. Voilà, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des starters à vendre. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci ou à échanger. Par contre, à échanger, il va falloir aller très vite dès la sortie de la vidéo, je pense. Parce que la plupart des cartes repartiront à la vente bah, dès ce soir. Donc, au moment où je tourne la vidéo, donc on est dimanche soir.
Donc tardez pas, puis bah si c'est pas vendu, bah tant mieux. Mais je pense que je garderai la plupart des cartes bah, jusqu'à ma bourse aux jouets que je fais donc à Buxerolles. Donc voilà, donc normalement vous avez un petit laps de temps assez confortable pour me contacter si vous cherchez ces cartes-là. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt 180 sur la chaîne. Un grand merci. Allez, salut! Oui, c'est le même. Là, il y a du jeu. Je t'ai fait. Je t'ai fait. Là. D'accord.